L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Tout de suite un point sur les conditions météo avec de la pluie qui arrive toujours sur les Hauts-de-France, de la pluie et des nuages, même si les éclaircies se font de plus en plus présentes avec un ciel plutôt dégagé demain. Et puis un point également sur le trafic routier avec, vous le voyez, quelques accidents qui continuent d'arriver. Hein, ces accidents toujours en cours sur la citadelle de Lille, au nord de Lille, et également sur le périphérique est de Lille, avec des axes rouges aussi sur la 25 en direction de Dunkerque suite à un véhicule en feu qui a été donc maintenant mis hors de la chaussée, ce véhicule en feu à hauteur de Bailleul. Et puis on en vient au titre de cette édition avec cette revendication des policiers parisiens qui battent le pavé depuis plusieurs jours. À Lille, le syndicat Alliance soutient et partage les revendications mais ne souhaite pas pour l'instant se joindre au mouvement. Dans la région, les représentants des policiers affirment que les forces de l'ordre sont débordées par le surcroît de travail lié à la lutte antiterroriste mais aussi à la surveillance de la frontière et la gestion des tensions dans la jungle de Calais. Le syndicat Alliance demande notamment plus de liberté aux policiers pour leur permettre de mieux se défendre. Je vous propose tout de suite d'écouter justement un représentant de ce syndicat au micro de Louis Caillé. La problématique de la légitime défense qui n'est pas adaptée, que la légitime défense aujourd'hui pour le policier, elle est la même que pour vous ou que pour n'importe quel citoyen. Or c'est anormal. Il faut qu'on revoie les textes autour de la légitime défense. Et puis qu'on revoit les peines planchers, parce que le délinquant qui agresse un policier doit prendre une peine. Voilà. On ne peut pas se permettre de aujourd'hui négliger ça, parce qu'il y a ce sentiment d'impunité qui est présent dans tous les esprits. Il faut absolument qu'on inverse la tendance, que ce ne soit plus le policier qui ait peur d'aller dans les cités, parce que évidemment, rapport de force est différent, mais l'inverse. Que le délinquant ait peur du policier. Énormément de collègues sont retenus sur des tâches indues. On appelle ça les tâches indues. Ce sont des gardes statiques devant une porte, devant une caméra, comme ce qui s'est passé notamment quand malheureusement nos collègues ont été attaqués et brûlés. Et d'ailleurs, une petite pensée pour les collègues blessés, notamment l'ADS, notre ADS qui est toujours entre la vie et la mort. Les gardes de détenus hospitalisés, etc. Aujourd'hui, on a besoin d'une présence sur la voie publique et on ne peut pas se permettre d'avoir des gens, des policiers, des vrais professionnels de la sécurité qui sont retenus à droite et à gauche sur ces tâches indues. Donc là, effectivement, le ministre de l'Intérieur a annoncé effectivement qu'il allait revoir ce problème et travailler pour trouver des solutions. Donc ça, c'est un point positif aussi. Et l'actualité sociale avec cette mobilisation de la CGT hier devant le magasin Camailleux de la rue Gambetta à Lille. Le syndicat est venu dénoncer, selon lui, la dégradation des conditions de travail, les raisons de la colère, la baisse des effectifs et les bas salaires. La direction aurait accordé une augmentation collective de 0,5% des salaires de base des employés, soit environ 5 euros par mois selon la CGT. Un geste que le syndicat juge insignifiant pour les salariés, puisque de plus, il ne concernerait pas tous les salariés, justement, ce geste. Louis Caillé a rencontré les représentants de la CGT qui nous en disent plus. On connaît une légère baisse de chiffre d'affaires, mais le contexte est général. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit dégrader les conditions de travail des salariés. Nous, on veut proposer des solutions, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'écoute de la part de notre direction. Donc ce n'est pas acceptable. Donc nous, on continuera nos actions tant qu'on ne sera pas réellement entendu et qu'on n'entrera pas dans des négociations réelles. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de négociation chez Camailleux. Et en plus, aujourd'hui, on constate beaucoup de pression de la part de notre direction vis-à-vis des délégués syndicaux CGT. Ce n'est pas acceptable. Et dans la suite de cette édition, cette veille de week-end, on fait un point sur l'actualité des sorties avec Estelle Dargent, notre partenaire de la radio Métropolis. Que faire ce week-end? Nous avons plein d'idées pour vous. Tout de suite, sur Grand Lille TV, c'est l'agenda. Métropolis.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'agenda Métropolis et on commence avec le Do It Yourself qui est à l'honneur ce week-end, le salon Idées Créatives, ça se passe à Lille Grand Palais jusque dimanche. Il y en aura pour tous les goûts, que vous soyez addict de tricot, bricolage, peinture ou encore cuisine, il y aura également des ateliers, vous pouvez vous inscrire pour ces ateliers dès maintenant, pour cela n'hésitez pas à aller sur le site internet ideescreatives.com, c'est jusque dimanche donc et c'est de 10h à 18h, l'entrée est de 7,50€. Un autre salon pour les gourmands, cette fois, le salon du chocolat. Ça se passe à Tourcoing. C'est la première édition de ce salon du chocolat à l'hôtel de ville de Tourcoing ce week-end. Au programme des dégustations, bien sûr, mais aussi pas mal d'exposants, des confiseurs et des chocolatiers. De la gourmandise, mais aussi pour la bonne cause, puisque les fonds seront reversés à l'association Coup de Pouce, une association qui aide les enfants en difficulté. Un autre événement solidaire dans la métropole lilloise, cette fois, ça se passe au dernier bar avant la fin du monde à Lille, ça s'appelle Crypto. En fait, des youtubeurs français vont se réunir dans ce bar pour jouer à des jeux vidéo. Il y aura GTA, également Counter-Strike ou encore Overwatch. Et c'est pour la bonne cause puisque les fonds récoltés lors de ce week-end d'animation seront reversés à la Ligue protectrice des animaux de Lille. C'est ce samedi, donc au dernier bar avant la fin du monde de Lille. Et puis deux festivals de musique qui se terminent ce week-end. Roubaix l'accordéon, c'était les 20 ans cette année. Concert et bal ce week-end dans toute la ville. Plus d'informations sur roubaixalaccordéon.fr. Et puis du côté de Tourcoing, c'est le Jazz Festival qui se termine, 30e édition cette année. Encore des concerts à voir tout ce week-end avec notamment Kyle Eastwood, le fils de Clint. Plus d'infos sur tourcoingjazzfestival.com. Je vous souhaite un excellent week-end sur Grand Lille Télé et sur Métropolis. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, on retrouve Clotilde Le Guévac pour faire un point sur les conditions météorologiques de manière complète ainsi que sur le trafic routier en temps réel.